Jean-Louis Gatti, Jean-René Lacune, Nicolas Stade, Jonathan Zakaï, le président Monsieur Jean-Louis Zabadi. Mesdames et messieurs, chers amis, monsieur le maire, mes beautés et les amis du jury, dear Tito Topin, my name is John Walsh, double die, can translate? Yes, of course, cher Tito Topin, mon nom est Jean-Louis Zabadi. Écoutez, c'était extraordinaire. Mais, contrairement aux autres jurys, nous n'avons pas du tout passé une semaine de délices, mais une semaine terrifiante. Parce que la sélection de Bruno Bard, sous le regard bleu éclairé et éclairant de Lionel Jouchamp, était tellement flamboyante que... Vous les voyez là, dès le premier soir, chacun d'entre nous regardait sous son lit en entrant dans sa chambre. Dès le jeudi, Nicolas Salda et Jonathan Zakaï dormaient blottis l'un contre l'autre, une fois dans la chambre de l'un, une fois dans la chambre de l'autre. Tony Gatliffe, un dur. Un dur. Le Lino Ventura, metteur en scène. Bon, vendredi, c'était donc avant-hier, on frappe à sa porte. C'est terrible tout ce qui s'est passé cette semaine. On frappe à sa porte pour lui apporter le petit déjeuner. Tony saute de son lit, saute par la fenêtre et s'en va dans les jardins. C'est vrai ou pas? C'est absolument vrai. Et voilà. Et nos trois beautés même, M'AIME, Nedra Ayadi, Nadia Farès et Julie Ferrier ont, je vous le dis, elles sont là, c'est l'essentiel, mais la nuit dernière, essayé à 3h30 du matin en revenant des cocottes, en bâclant leur baluchon, de s'évader par l'entrée de l'hôtel où les attendaient, avec un visage glacial chacun, Jean-Olé Laprune et Karine Bridi, pour leur barrer barrer le chemin et leur dire « Nous ne sommes pas membres du jury. On fait partie des renseignements généraux, remontés dans vos chambres. » Voilà notre jury, voilà notre semaine. Et voici, maintenant, dans ces conditions épouvantables, les deux lauréats que nous avons réussi à distinguer dans cette, comme ça a été dit par nos prédécesseurs ce soir, dans cette brillante sélection. Alors, mais bien avant... Pardon, vas-y. Ladies and gentlemen and my dear friends of